Bienvenue dans l'émission des enfants, un skipper, vous l'aurez compris, un skipper va nous rejoindre dans quelques instants. Mais dans l'aventure, je ne serai pas seule, puisqu'à côté de moi, eh bien, il y a ce qu'on appelle des petits reporters. Qui sont-ils? Eh bien, ce sont des enfants qui, depuis le début de l'année, vont à la rencontre des skippers. Ils sont allés leur poser plein de questions sur leur bateau, à Port la Forêt, au Sable d'Olonne. Ils ont fait des reportages. Et donc, aujourd'hui, ils sont avec moi. Alors, les enfants, qui on accueille ce soir, Antoine? Armel Trigon. Voilà, très bien. Allez, je vous demande d'accueillir Armel Trigon, s'il vous plaît. Bonjour Armel, merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour les enfants. Parce qu'on a de la chance de vous avoir, parce que les skippers se font de plus en plus rares. On est dimanche, 19h, c'était d'ailleurs votre dernière interview. Alors merci vraiment d'être avec nous ce soir. Alors on va forcément vous découvrir en tant que skipper, bien sûr, mais également en tant qu'enfant, puisque c'est une émission pour les enfants, fait par des enfants. Il y a des pièges. Il y a des pièges, attention. Alors, on va débuter avec votre fiche d'identité. On va découvrir un petit peu qui vous êtes. Alors, vous êtes voisin de la Vendée, hein, puisque vous êtes né à Nantes. Et vous allez donc partir sur le bateau L'Occitane en Provence. Et c'est votre première participation au Vendée Globe. Alors, comment on se sent à quelques jours du départ? Comment on se sent? Plutôt en forme, très motivé. C'est plus de deux ans de travail et d'ambition pour être là. Et voilà, donc c'est une immense joie de pouvoir être 32 concurrents et dans ce village que j'ai connu depuis 2000 en fait. Toutes les éditions depuis 2000, j'ai suivi cette course de très très près. Et donc aujourd'hui, y être, c'est... Voilà. C'est ça, maintenant que vous y êtes plus de très près, vous êtes très 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 près. Non. Alors les enfants, on l'a dit, hein, moi je suis pas toute seule dans l'aventure, c'est vous les journalistes. Alors est-ce que vous avez des questions pour Armel? Allez, c'est parti, Joséphine. Est-ce que tu as des enfants? Alors oui, j'ai des enfants, j'en ai trois garçons, et dont un qui doit avoir à peu près votre âge, un peu plus vieux, peut-être il a 8 ans. Je sais pas quel âge vous avez vous. Quel âge vous avez les enfants? 11 ans. 6 ans. 6 ans, donc effectivement, c'est dans la tranche. Alors Arthur, c'est quoi ta question pour Armel? Est-ce que t'as gagné une course du Vendée Globe? Alors, est-ce que t'as gagné une course du Vendée Globe? Le Vendée Globe, c'est tous les 4 ans, et voilà, donc c'est ma première participation. J'ai encore jamais fait le Vendée Globe, mais j'ai gagné d'autres courses auparavant dans d'autres disciplines, voilà, mais de courses larges aussi. Allez, comme. Est-ce que ton bateau a des foils? Alors oui, il y a des foils, il a été mis à l'eau très très récemment, au mois de février, donc ça fait partie des derniers bateaux, et tous les derniers IMOCA, donc il y en a 8, on sera 8 bateaux neufs sur cette course, donc les 8 ont des foils. Alors justement, en plus ton bateau, il est un peu particulier, parce que, raconte-nous, qui c'est qui l'a construit? Il a été construit à Nantes par le chantier Black Pepper, donc un chantier naval avec lequel je collabore depuis 2012, et c'est le premier bateau dessiné par Sam Manoir, qui est un très très grand architecte, mais qui n'avait encore jamais fait d'IMOCA. Et c'est le premier bateau construit par Black Pepper. Ouais, c'est mon premier Vendée Globe, donc ça fait beaucoup de premières. Ça fait beaucoup de premières. Allez, Joséphine. Qu'est-ce que tu vas faire si tu gagnes le Vendée Globe? Qu'est-ce que tu vas faire si tu gagnes le Vendée Globe? C'est une bonne question, enfin, j'y ai pas encore réfléchi, tu vois. Pour l'instant, l'objectif c'est de prendre le départ, de faire cette course, de la vivre intensément, de bagarrer tout du long, jusqu'au bout, et puis d'essayer de faire le plus beau résultat possible. Mais voilà, je pense que quand on gagne, on a le temps d'y réfléchir après. Alors quand tu dis faire le plus beau des résultats, pourquoi ce serait quoi le plus beau des résultats pour toi? Bah, ce serait d'être content de ma course, d'avoir fait quelque chose, d'avoir fait une course entière sans regret. Pour l'instant, c'est impossible d'imaginer. Il y a tellement d'aléas dans cette course. Déjà, la finir, c'est déjà un beau résultat. Et voilà, après, le mieux possible. Ouais. Romy, en fait, pourquoi tu as une peluche sur ton bateau? Alors j'ai une peluche, j'ai un petit doudou effectivement, parce que depuis 2016, donc je soutiens une association qui s'appelle Les Petits Doudous. Et cette association, elle aide les enfants hospitalisés qui vont subir une opération au bloc opératoire. Et avant de rentrer au bloc opératoire, on leur fait une anesthésie. Et cette anesthésie, souvent douloureuse et compliquée, c'est un moment délicat. Et
Et l'association a décidé de favoriser ce passage au bloc opératoire en aidant les enfants. Voilà, donc c'était une belle association qui est dans toute la France et dans tous les dom-tom. Et voilà, du coup, on porte leur couleur. Ouais. Arthur, est-ce que ton bateau a déjà coulé? Non, mais ceci dit, il aurait pu. Ben oui. Parce que c'est vrai qu'au mois de mai, j'ai eu un choc contre un objet, vous ne savez pas ce que c'était, en mer. Et donc il y a eu un énorme trou dans le bateau. Et l'eau, le bateau s'est rempli d'eau. Mais heureusement, il se revidait. Enfin voilà. On s'en est aperçu que quand je suis rentré au port. Mais ça aurait pu mal finir. Ouais, donc, ça aurait pu être pratique. Ouais. Allez, une dernière question, Capucine. C'est pas facile d'être journaliste, hein. Faut rester concentré. Est-ce que tu l'as ta question? Ils s'appellent comment tes enfants? Voilà. Ils s'appellent comment tes enfants? Alors, mon fils aîné s'appelle Léo, et ensuite c'est Edgar, et le dernier c'est Swan. Alors Armel, on voit sur ta fiche d'identité les points faibles et les points forts. Tu remarqueras qu'on n'a rien noté. Alors dis-nous, à toi de les remplir ces deux cases. C'est quoi tes points forts et tes points faibles? Alors le point faible, c'est la jeunesse du projet, c'est-à-dire que le bateau ayant été mis à l'eau au mois de février, avec le peu de navigation, le peu d'entraînement, le Covid, enfin voilà, toute la période a été compliquée. Donc c'est vrai qu'on a eu peu de temps pour fiabiliser, pour bien connaître ce bateau. Voilà, c'est un peu le cas de beaucoup, mais c'est vrai que voilà, nous on est un peu tardif et c'est sûr qu'il va falloir que j'en tienne compte dans ma manière de naviguer aussi. Parce que moi j'aime bien tirer sur les bateaux avant pour voir ce qui doit casser. Et là, il y a certaines phases qu'on n'a pas pu voir. Donc c'est un point faible. Mais maintenant, ça peut devenir un point fort si je l'utilise bien. Voilà. C'est ça. Et le point fort, c'est le bateau aussi, parce qu'on a fait un pari, voilà, avec Sam Manoir et Black Pepper, de partir sur une carène un peu différente, avec des foils différents. Enfin, je pense qu'il y a une vraie philosophie dans ce bateau, et je pense que c'est un point fort. Ouais. Alors, est-ce que tu as peur à quelques jours du départ? J'ai peur. Non, j'ai pas peur du tout. Je suis excité de partir. Après, peut-être qu'il y aura des moments en mer où j'aurai peur. Voilà, dans des conditions un peu dures, ça m'est déjà arrivé d'avoir peur en mer, mais souvent, voilà, la peur peut être bonne conseillère. Donc, oui. Tant qu'on ne se laisse pas happer par elle. Voilà, j'ai pas peur d'avoir peur. Ouais, c'est ça. Alors Antoine, est-ce que vous pensez gagner? Est-ce que je pense gagner? En fait, je réfléchis pas comme ça, parce que... comme je disais, c'est une course qui est très longue, 70 jours ou plus, et il peut se passer tellement de choses. Et en fait, moi, je vais prendre jour après jour, tu vois. Je suis très gâte et ne me pas focaliser sur un résultat. Et voilà. Et après, bah, il se passera ce qui se passera. C'est une bonne morale, ça aussi, pour les enfants. Hein. De ne pas forcément toujours partir avec juste l'objectif de gagner. Oui, bah, en fait, je pense que... compliqué de se dire partir sur une course comme ça avec pour seul objectif de gagner, parce que si on gagne pas, on est extrêmement déçu. Ouais, et voilà, mais voilà, après je serai dans une dynamique de naviguer le mieux possible, et ça après peut-être que ça sera des belles choses. C'est ça. Arthur, est-ce que tu filtres l'eau? Ah oui, bah alors ça c'est une question intéressante. Effectivement, on prend l'eau de mer sur nos bateaux et avec un désalinisateur, on filtre l'eau pour qu'elle puisse devenir buvable. Parce que l'eau de mer salée, c'est pas bon. Et voilà, donc effectivement, tous les jours, on produit entre 4 et 5 litres d'eau douce. Donc il faut à peu près, je crois que c'est 50 litres d'eau de mer pour faire 4 litres d'eau douce. Ah ouais. Enfin, d'eau buvable. Cette eau, donc bien sûr pour boire, mais est-ce que tu t'en sers pour autre chose? Boire, faire une toilette sommaire de temps en temps, et puis cuisiner. Alors on le disait, hein, on a parlé de toi en tant que skipper, on va aussi parler de toi en tant qu'enfant, ou du moins plus jeune. On va découvrir une photo de toi, un peu plus jeune. Alors raconte-nous, quelle est cette photo? Je n'étais plus un enfant déjà. C'est ça. Et c'est vrai que je ne sais pas où vous avez sorti ça quand même. Je dois avoir 20 ans, je crois. Ouais, à peu près. Donc c'était quoi la question? Alors, elle raconte quoi cette photo? Qu'est-ce qu'elle raconte? Alors en fait, elle raconte quoi?
Enfin, je commençais à naviguer en fait. C'est ce que j'allais dire, les chevaux vont, hein. On sent déjà un peu le navigateur. J'avais déjà, je crois que je faisais pas encore de course, mais par contre j'avais découvert la voile. J'ai découvert la voile très tard, hein, à 19 ans. Ouais. Et bien, voilà, peut-être que j'ai 20, 21, et c'est mes premières années de navigation. Je suis moniteur de voile au Glénan, et voilà. Et donc, on m'a confié la responsabilité d'un bateau avec des stagiaires, et puis bah, je pars en Manche, en Irlande, en Angleterre, et c'est des très belles années. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, pourquoi pas, un jour, être ici? Non, pas du tout. Pas du tout, pas encore. Pas encore, j'ai pas encore goûté à la régate, à la course, donc pour l'instant, je suis juste dans l'idée de... Par contre, je suis déjà dans l'idée de partir autour du monde, parce que on a découvert à Troyes, et on était dans les lectures de Moitessier, les Damiens, tout ça, ouais. Ces grands navigateurs. Et c'est vrai qu'on avait pour ambition de faire un tour du monde, aller au Spitzberg, d'aller dans le Grand Sud. Voilà. Donc on était attirés du Dijon parce que c'était avec deux amis. Et voilà. Ça s'est pas fait, mais bon, voilà. Et à quel moment, du coup, tu te dis, je vais partir faire le Vendée Globe? C'est en 2003. En fait, 2003, quand je fais la mini Transat, j'arrive au Brésil. Et avant d'arriver, en fait, j'avais vraiment la notion, enfin le sentiment que je peux aller plus loin, que voilà. Un projet Vendée Globe, c'est pas complètement délirant, quoi. Ouais, c'est une suite logique. Ouais. Alors, avec nous, on a bien sûr les petits reporters, hein, mais on a aussi d'autres enfants à qui on a proposé de poser des questions. Ils nous ont envoyé des vidéos, on propose de les regarder, puis surtout de répondre à leurs questions. Regarde. Alors, le temps que ça se mette en place, ben, on va... Joséphine, est-ce que tu as une question? C'est à quoi ton... le nom de sur ta voile? Il sert à quoi, c'est ça? Le nom sur la voile? Alors, il sert, ça donc, sert à c'est quoi? C'est pas en Provence? Ouais. Ça donc, sert à quoi ce nom-là? À ton avis. Pourquoi il a ce nom-là? Parce que c'est joli. Ouais. Bon, déjà, le bateau est joli, non? Ouais. Le bateau est très joli, ouais. Ça sert à quoi? En fait, c'est ce qu'on appelle des sponsors, des partenaires, tu vois. Et c'est eux qui financent. Comment? C'est quoi comme... Ah, qu'est-ce que c'est l'Occitane en Provence? Ah oui, d'accord. Alors l'Occitane en Provence, c'est une marque de produits cosmétiques, produits de beauté. Et, ou pour la peau, enfin voilà, des shampoings, savons. Et c'est une très belle marque qui est à Manosque, dans le sud de la France, en Provence en fait. Voilà, et qui existe depuis, je crois, 1972. C'est une marque assez vieille. Et voilà, qui est très très attaché à préserver la biodiversité et la nature, qui travaille beaucoup avec de récoltants locaux. Et... Il y a une logique. Ouais, ils portent des valeurs que nous on retrouve en fait sur l'océan. Quoi. Évidemment. Mm. Allez, on va découvrir les questions que les enfants nous ont envoyées via les réseaux sociaux sur Vendée Tourisme. On regarde et tu réponds. Ah, alors combien de temps tu mets à préparer Vendée Globe? Eh bien, ça a démarré pour moi, si on met de côté la construction du bateau, la réflexion, tout ça, parce que quand on a imaginé le projet, c'était fin 2017. Donc tout 2018, les archives ont bossé, etc. Et moi, je préparais la route du Rhum. Mais j'ai démarré vraiment janvier 19. Ouais. Ça a duré 2 ans. Ouais, ça se fait parfois en un jour, hein. Ça, on s'en doute bien. Non. Allez, on poursuit. Est-ce qu'un gros poisson aurait sauté sur ton bateau? Alors, un gros poisson, non, mais par contre, ça m'est arrivé de... Alors, on voit beaucoup de poissons volants. Vous connaissez les poissons volants? Ils sortent de l'eau, ils sont chassés par des plus gros, ils sautent de l'eau et souvent, ils atterrissent sur le pont du bateau. Donc, le matin, il y a pas mal de poissons volants sur le quai. Faut faire le ménage le matin. Voilà. Ou alors les manger, si on n'a plus rien à manger, c'est pas mauvais. C'est pas en filet. Mais... Donc, c'est pas des gros poissons. Par contre, on peut voir des gros poissons comme des baleines, comme des cachalots, tout ça, ça on peut en voir. Allez, autre question. Après le Père Noël, il passe sur les bateaux. Ah, bah oui, tiens, est-ce que le Père Noël passe sur les bateaux? Bah, ça va être mon premier Noël en mer, donc c'est une surprise, je ne sais pas encore. On espère. Bon, a priori, d'après les autres Vendée Globe, a priori, le Père Noël, il passe. Vous rendez compte, les enfants, vraiment, il est partout. Allez, on poursuit.
Pourquoi as-tu choisi ce sport? Alors j'ai choisi ce sport parce que d'abord j'aimais être en mer, j'aimais ce contact avec la nature, avec les éléments, parce que voilà, je trouve que c'est assez extraordinaire de pouvoir utiliser le vent, utiliser l'eau, et juste avec ces, voilà, très simplement pouvoir avancer et puis se déplacer comme ça. Après j'ai aimé le côté la régate avec des bateaux autour de soi, et puis j'ai aimé le fait de d'être en solitaire et de pouvoir compter que sur soi et de tout faire. En fait, il faut être à la fois bon manœuvrant, bon en météo, enfin, voilà, bon dans plein de domaines, ou alors moyen dans plein de domaines, ne pas obligatoirement exceller dans un domaine, mais voilà, et c'est très très complet. Il y a un côté technique, il y a un côté... voilà, ça englobe plein de domaines différents, de compétences qui sont super chouettes. Et ouais, ça m'a beaucoup plu. Même si on rappelle évidemment que t'es pas tout seul, mine de rien. T'as toujours une équipe derrière, mais sur le bateau, à un moment donné, t'es tout seul. Exactement. Après, c'est vrai que la préparation de la course nécessite d'être plusieurs. Ouais. Allez, on poursuit. Est-ce que t'as déjà été Décidément, ça s'implique, ouais, les animaux. Alors là, est-ce que tu t'es fait abattu par un requin? Alors les requins, en fait, ça, c'est très timide, donc ça n'attaque pas. Et quand ils attaquent des nageurs, enfin surtout des surfeurs, en fait, c'est parce qu'ils les confondent avec des tortues, voilà. Mais en fait, les requins, ils sont tranquilles, ils sont dans leur coin et qu'on les embête pas. Enfin, au mieux, tu en vois autour de toi, mais... Mais oui, en bateau, jamais. Enfin, une fois en Irlande, ça m'est arrivé, voilà. Mais sinon, non, on n'en voit jamais. On voit beaucoup de dauphins, par exemple. Énormément de dauphins. Parce que le dauphin est très très joueur, très curieux, et il vient voir les bateaux, il vient jouer avec. Donc ça, c'est assez sympa. Donc t'hésiteras pas à nous envoyer des vidéos pour qu'on suive ces beaux paysages. Alors une fois même, pour la petite anecdote, je me suis mis à l'eau avec des dauphins, il y avait une centaine autour du bateau, j'étais en croisière, et je me suis dit, moi, je vais aller nager avec eux. Voilà. Donc là, il n'y avait pas de vent du tout, donc je plonge, et là, ils sont tous partis. Voilà. Allez, on poursuit. Alors, on a déjà entendu. Hop. Ça, les requins, nous on sont gentils. Quels habits vous emmenez sur votre bateau? Quels habits? Quels habits alors? Alors, là, j'emmène deux gros sacs de vêtements. Un sac qui va faire l'Atlantique, nord et sud, et puis un sac qui va faire tout le Pacifique et l'Indien. Donc voilà, un sac avec plein de vêtements chauds. Parce qu'il va faire très froid, il va faire entre 2 et 3 degrés, beaucoup d'humidité, donc ouais, il faut vraiment se couvrir. Donc, beaucoup de vêtements chauds et puis aussi un peu de vêtements plutôt légers pour l'équateur. Mais alors ces vêtements, ils doivent sécher, bien sûr. Est-ce qu'ils ont des matériaux spéciaux ces vêtements? Parce qu'il faut que ça sèche vite quand même. Il faut que ça sèche vite, il faut que ce soit très léger. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle des polaires, tout le monde a ça, ou alors voilà, des doudounes, c'est vrai que... C'est des vêtements très techniques qui sont assez efficaces. Ouais. Ouais. Capucine, tu avais une question? Je viens vers toi. Attention. C'était pas vraiment une question, mais sur la photo tout à l'heure, quand vous étiez là, oui, plus jeune, et bien. En fait, sur Netflix, on regardait un film et il y avait une personne qui me ressemblait énormément. Incroyable, si ça se trouve, elle a déjà eu une carrière, dis donc, d'acteur. Comme. Pourquoi tu aimes les courses en solitaire? Alors pourquoi? J'y ai un peu répondu tout à l'heure. C'est vrai que c'est un ensemble de choses. C'est le fait d'être sur l'eau déjà, sur l'océan, ça me plaît beaucoup. Et puis après, de pouvoir, comme je disais, faire un peu tout. Tu vois, il faut à la fois faire de la météo, à la fois réparer son bateau, à la fois le faire marcher bien, à la fois... voilà, naviguer correctement, bien gérer aussi, parce que si tu gères pas ton sommeil, si tu gères pas ta nourriture, ta nutrition, tout ça, tu vas pas être performant. Donc voilà, il y a un ensemble de paramètres qu'il faut maîtriser. Donc ça, c'est intéressant. Ouais. Allez, on poursuit avec notre question en vidéo et puis après on passera à vos questions, les enfants. Ah, c'est une course en solitaire. Bah oui, ça marche pas. Une autre fois peut-être. Allez, Antoine, tu avais une question.
Qu'est-ce qui t'a incité à faire le Vendée Globe? Qu'est-ce qui m'a incité? Ça a été quand j'ai fait ma première course en mini transat. C'était un petit bateau, il faisait 6,50 m pour aller au Brésil. Et voilà, là ça m'a donné goût au large. Et l'envie d'aller plus loin. Et puis après, voilà, c'est vrai que je travaillais dans ce milieu, donc je m'occupais de bateau aussi. Et voilà, je voyais cette course, je la suivais. Et c'est vrai que ça m'a donné envie. Et là, je t'ai dit, tout est possible. Voilà. Allez, Joséphine. Tu fais combien de mètres ton bateau? Ah, ça fait combien de mètres un bateau du Vendée Globe? Ça fait 18 mètres et des bananes. Voilà. Ouais, et des bananes. Alors, les enfants qu'on a entendus en vidéo, ils ont bien sûr posé des questions, mais ils avaient aussi des messages. Je te laisse les écouter. Allez, Armel! Allez, Armel! Allez! Ben oui, hein, faut rien lâcher. Alors des bisous, ça c'est aussi un autre sujet, parce que comment tu comptes finalement dire au revoir à tes proches? Peut-être que ça va être plus compliqué cette année avec tous ces gestes barrières. Comment ça va se passer? Ouais, c'est effectivement très compliqué. Je pense que on s'est déjà dit au revoir il y a en fait plus d'une semaine. Okay. Et voilà, donc ils passeront pas la dernière soirée avec moi, et je les verrai le matin au ponton, mais ça sera voilà, assez lointain. Ouais, c'est ça. On va dire, et ouais. Ouais, donc c'est pas très simple à gérer. Mais... Surtout quand on est un papa. Mais oui, puis voilà, moi j'ai un petit garçon autant, peut-être les plus grands, bon maintenant voilà, ils sont passés. Mais j'ai un petit garçon de 8 ans, et voilà, je sais que pour lui c'est dur. Ouais. Ouais. On avait un dernier message pour toi, un message surprise de quelqu'un qui te connaît très bien. Regarde. Salut mon équipage. Un temps de circonstance pour évoquer le Vendée Globe. C'est vrai que on est au fond du golfe de Gascogne. Ça a l'air petit, il y a l'eau. Donc c'est là où il ne faut pas venir. Hein. C'est vraiment ça, c'est le piège. C'est de quoi. Hein. Mais bon, en gros, il faut tirer un peu à droite, dépasser la corolle, tout ça. Et tu pars tout droit, tu fais tout le monde. Enfin, tu les suis un certain temps, assez vite, et on va se mettre devant. Mais ça aussi, j'ai rien à t'apprendre. Voilà, c'est vrai qu'il est loin, le temps où on s'est rencontré au Médan de Paimpol, on a passé pas mal de temps dans la bibliothèque, curieusement. Pas plus que sur l'eau, mais pas loin. Il y avait les hivers aussi, il y avait les nuits. Et on a passé du temps à essayer d'imaginer ces mers du sud que tu vas aller fréquenter. C'est bien parce que tu pourras nous raconter. On devait partir à trois, souviens-toi, sur une galiote. Bon, la galéote, aujourd'hui, je n'ai pas trop intérêt à part pour faire le tour du monde à l'envers. Mais je ne suis pas trop le but de cette course, je pense. Tu seras sur tes folles. Par contre, pour l'ambiance, je pense que tu perds un peu quand même. Hein, on aurait bien réglé. Et puis bah, ça va te motiver peut-être pour rentrer assez vite. Bon, voilà, ça va. Le tour du monde, c'est bien. Alors, c'est qui ce monsieur? Comment ça arrive là, ça? Bah oui, ça fait partie des trois personnes, enfin des deux, voilà, ouais. Avec qui. Dont j'ai parlé tout à l'heure. Et bon, voilà, puisqu'on est dans la séquence émotion, avec la troisième est décédée il y a quelques années. Et c'est vrai que à chaque fois que je suis en mer, je pense forcément à Manu, mon pote, et puis Nako, voilà, c'était un énorme formidable qui est parti un peu trop tôt. Mais voilà, c'était effectivement notre rêve de traverser, de faire le tour du monde sur ce bateau. Ouais. Ouais. Bon, tu vas le faire au moins pour eux. Bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Alors quand il dit un tour du monde c'est bon, hein, sous-entendu en requin? Ah non, mais moi je fais le Vendée Globe et puis après, si ça se passe bien, j'en fais un deuxième. Non, j'ai envie de continuer à naviguer, voilà, d'aller vite sur l'eau, de découvrir encore d'autres sensations. Voilà. Puis c'est des projets en plus qui génèrent tellement d'énergie autour de soi. Et c'est quand même super de le partager. Et voilà, ça me plaît. On va terminer en musique, Armel. Est-ce que tu emmènes une playlist sur ton bateau? J'emmène plusieurs playlists. Ouais. Alors, elles te servent à quoi, ces playlists? Elles me servent à passer des moments difficiles, à motiver avant des manœuvres, et puis, suivant les conditions de mer et de vent, c'est sympa de pouvoir écouter différentes choses. En fait.
Alors, comme les journalistes sont toujours un peu étonnants, forcément nos petits reporters le sont. Et donc, ils t'ont prévu une playlist hein, que tu pourras également emmener avec toi. L'idée, là, en tout cas, maintenant, ce soir, c'est de choisir l'une de ces chansons. Et puis, pourquoi pas de la chanter ? Surtout pas. Non, mais l'idée, c'est en tout cas de vraiment finir en musique cette émission. Alors voilà, on te laisse choisir. Les enfants ont alors, comme. Et vous choisiriez laquelle, par exemple ? Vas-y. Antoine. Je suis tombée. Je connais pas. Alors, Jérusalem, Le Coach, Bella Ciao, Ramener la coupe à la maison, Happy, on est cru sur le mur. Ramener la coupe à la maison. Ah, c'est de rigueur. Bah oui, alors moi j'ai. Bah, comme on est avec des enfants. Bah oui, normalement tu les connais un peu. Ouais, puis je vais prendre une chanson qu'on a pas mal chantée en famille, c'est Sur ma route quoi. Quand mes enfants étaient petits, ils adoraient ça. Et voilà, Black M. Eh bien, je vais proposer du coup au public d'applaudir s'il vous plaît pour cette fin d'émission. En tout cas, merci. Vraiment très fort dans vos questions. Bravo à tous. Hein. Ouais, c'était très bien, reporter. Merci beaucoup, Armel, d'avoir été avec nous. Vraiment, je le répète, hein, vous êtes de plus en plus rares sur le village. Donc, merci de nous avoir consacré ce temps ce soir. Très belle route à toi à partir du 8 novembre. Et encore merci d'avoir été avec nous. Je vous applaudir, s'il vous plaît. Armel Tripon, s'il vous plaît. Merci. Voilà, et c'est ainsi que s'achève l'émission Les enfants, skippers. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, cher public. Et très belle route à toi, Armel. Alors, normalement, on danse.